Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trustee. On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo, comment créer deux looks avec une robe. C'est parti! Pour ce premier look, voici ma robe. Une petite robe vintage, esprit folk, oui, voilà, un petit peu folk, un petit peu hippie. Donc c'est une robe mi-longue, super sympa avec des imprimés fleuris, des imprimés. Alors avec un petit détail derrière, c'est zippé. Et devant, vous avez un petit nœud, petit décolleté, là, voilà, petite ouverture. Petite ouverture, manche longue, avec aussi le petit rappel de l'imprimé. Et la petite ceinture. Donc c'est vraiment une très belle robe vintage, vraiment folk. Elle est vraiment bien. Robe qui est sympa, qui virevolte. Voilà, ça fait un petit peu les petites robes qui tournent. Elle a vraiment le style un peu drôle de dame, voilà. Voilà, un petit peu drôle de dame. C'est vraiment l'esprit voilà, folk, 70. J'ai décidé de l'accessoiriser avec un petit bomber. Le petit bomber qui va venir un peu décaler la tenue. Voilà, casser le style un peu folk, un peu hippie. Et donc avec le petit bomber, ça va donner un petit côté urbain, un peu street, un peu plus actuel en fait. Ouais, c'est ça. Donc le petit bomber, il est oversize. Je l'ai pris chez les hommes. Donc avec ce look, j'ai décidé d'y associer ces petites bottines. Voilà, les petites bottines bimatière, avec un talon qui n'est pas trop haut. Et elles sont ouvertes devant. Je vais l'accessoiriser avec ce petit sac chaînette. Ouais, un petit sac vraiment super sympa, un petit peu bling bling, mais juste ce qu'il faut. Métallisé, ça c'est archi tendance en ce moment. Et ça va donner un petit coup de peps à ma tenue. Voilà pour ce petit sac. Ah oui, et on avait oublié de vous préciser, c'est que voilà, pour la tenue, le bomber il vient de chez Old Navy. La robe elle vient des puces de Saint-Ouen. Les bottines elles viennent de chez André. Ouais, ouais, merci. Elles viennent de chez André. Le petit sac il vient de chez H&M. Et pour ce deuxième look, donc on garde bien évidemment alors la robe. Mais j'ai décidé de lui donner un petit côté un peu plus folk, un peu plus hippie. Cette petite paire de bottes. Elles sont vraiment super belles, super belles, en daim, avec un talon, voilà, le talon n'est pas très haut, mais on est vraiment bien dedans, confortable, elles montent, elles sont pas cuissardes, ça monte juste au niveau du genou, pile poil au genou, la couleur un peu camel, un peu fauve, voilà, liseré, avec un petit liseré en cuir, là, sur, ouais, elles sont vraiment bien, elles tiennent chaud, elles font pas mal aux pieds. Ouais, super sympa. On est vraiment bien dedans. Ouais, j'ai vraiment voulu accentuer sur le côté folk, hippie, contrairement à la première tenue. D'associer avec le fameux perfecto. Voilà, indétrônable, indémodable. Voilà, le basique. Le basique, vraiment sympa, avec des zips. C'est le truc, ça fait toujours son effet. Hein. Ça fait toujours son effet et franchement, le perfecto, ça va avec tout. Et ce petit sac, tout mignon, tout mimi. Pareil avec la petite anse, la petite chaînette. Pour donner un côté un peu, voilà, un peu chic. Un peu chic, un peu plus bling. Il est rond, voilà. Ce sac, je l'avais chiné à Guérisol. Alors ce petit sac, il vient de chez Guérisol. Et le perfecto, il vient de chez La Redoute. Voilà, La Redoute. Merci Nadège. Et pour finir, une petite ceinture. Voilà, petite ceinture un peu rock'n'roll. Vraiment super sympa. Bah, qui vient tout droit de chez Zara. Donc le petit sac vintage de chez Guérisol. La ceinture de chez Zara. Et le perfecto qui nous vient de chez La Redoute. La Redoute. Et pour moi, ce sera la petite robe blanc cassé vintage donc que j'ai chinée dans une petite boutique. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc c'est vraiment une robe que je trouve super sympa, vraiment super stylée parce que c'est la petite robe qui fait un petit peu... Ah, je me lève juste une petite seconde.
un petit peu effet voilà, working girl. Elle est plutôt classique, elle est un petit peu drapée et puis elle est aussi portefeuille. Elle a une super belle matière et le tombé, il est vraiment élégant. Oui, c'est élégant, c'est chic. Moi, ça me fait penser un peu au working girl. Voilà, moi, j'ai un petit côté, voilà, je vais bosser. Et du coup, moi, c'était vraiment, l'idée, c'était de la décaler. Voilà, et pour moi, pour décaler une robe, c'est de la porter avec un jean. Et là, c'est un petit jean que j'ai chopé chez Zara. Voilà, un petit jean vraiment sympa avec une toile brute. Il est court, je crois qu'il arrive un tout petit peu au-dessus des chevilles et puis il a un petit côté un peu large. Pas trop large mais légèrement. Quoi. Un peu usé. Mais... Voilà, un peu usé, c'est pas un slim. Ouais, c'est plus trompette. Voilà. Voilà, un petit jean qui fait un petit peu trompette. Il est vraiment super sympa. On croirait que c'est un petit jean que j'ai acheté en fripe. Hein. Oui, voilà. Parce qu'il a un effet, ouais. Un effet un peu usé. Un peu usé. Et ce qui est bien, c'est que celui-là. C'est pas le petit jean en élastane, c'est que lui, il est vraiment résistant. Il est solide. Il est solide, il est vraiment... Celui-là, il est vraiment bien. C'est ça que j'ai trouvé sympa. Il est vraiment assez dur, assez rigide. Ouais, voilà. Ça fait un vrai jean. Voilà, et donc un petit jean avec une robe, moi je trouve ça, c'est vraiment... Ouais, c'est original. Original et C'est décalé. Décalé. Et c'est stylé. Et c'est stylé. Ouais, c'est vraiment stylé. Et ça. C'est ce que je voulais donner comme esprit à ce petit look. Ouais. Essayer de décaler une robe classique. Pour pas refaire le look, ah ouais. Voilà. Les petites chaussures sont terribles, ultra. Elles sont un peu bling bling, ah ouais, quand même. Elles sont mais voilà. Des petites chaussures qu'on avait trouvées chez. Alors c'est Miss Kurt Jagger. En fait, on les avait achetées à Londres. Voilà, c'est ça. Et la boutique s'appelle Kurt Jagger. Vous en avez partout dans Londres. Vous avez même un site internet si vous n'avez pas la possibilité d'aller à Londres. D'aller à Londres. Vous pourrez les commander sur ce site internet. Donc, les petites chaussures. Elles sont vraiment belles. Voilà. Pour décaler le look. Ah ouais. Celles-là, vraiment, moi aussi, quand je les ai vues, j'étais jalouse. Je les voulais, mais. Et c'est moi qui les ai. Voilà, elle les a vues la première avec le petit rappel rose là. Le petit imprimé ou pas. Ça a l'air haut comme ça, mais. Mais on est bien dedans. C'est plutôt confortable. Avec la petite boule là, franchement, elles sont nickel. Et pas chères en plus à l'époque. Hein. Oui, elles n'étaient pas très chères. T'avais une petite réduction dessus. Voilà, c'était en période de solde. Du coup, ça va vraiment bien décaler ta tenue. Ouais. La petite pochette. Mais du coup, t'as bien imprimé léopard, imprimé python. Ben voilà. Ouais, j'aime bien. T'as chargé là. T'as vu prendre des risques. T'as chargé la mule là. C'est pas tout moche. Vous allez voir que ça va vraiment bien aller ensemble. Parce que la robe, elle est très classique. Ouais. Donc on peut quand même y aller. On peut y aller, ouais. C'est du classique un peu décalé. Donc voilà. Vous allez voir quand ça va être porté sur moi. Ouais, parce que. Oui. On a des doutes, hein. Non, mais faut pas l'écouter. Croyez-moi, le look, il est vraiment. Voilà. Deuxième look, donc c'est toujours pareil. Donc la petite robe blanc café. Mais là, j'ai décidé de l'accessoiriser avec un accessoire super tendance, les cuissardes. Donc voilà, celles-ci, vous voyez, elles montent super haut, donc elles arrivent forcément au-dessus du genou, parce que forcément c'est les cuissardes. Et elles sont vraiment super belles, super sympas. Donc c'est un daim qui est vraiment souple, plutôt soft. Là, au milieu de la botte, pareil, vous voyez, il y a un petit liseré, un petit détail. Là, pour le coup, le talon, il est en bois. Et elles sont super confortables. Voilà, le talon il est pas, c'est un petit talon. Il est vraiment, c'est sympa pour marcher avec. J'aimais bien, mais ça me fait penser un petit peu aux mêmes bottes, un peu Knadine, c'est un peu le même esprit, un peu folk, un peu années 70, parce que là il y a le petit talon en bois, c'est en daim, donc je trouvais ça super sympa. Et du coup, pouvoir décaler la robe avec les cuissardes, c'est vraiment intéressant. Et je sais pas si vous vous souvenez de ces petites paires de cuissardes. On les avait présentées lors de nos favoris dans la dernière vidéo. Oui, voilà. Donc une petite paire de cuissardes que j'avais achetée sur la Redoute. La Redoute. La Redoute, ouais. La Redoute. Donc voilà. Et ça, ce sera pour mon deuxième look. Thank you.
que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Donc n'hésitez pas à rejoindre le syndic en vous abonnant. Surtout n'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos looks. Quel look vous a le plus plu? Voilà, donc dites-le nous en commentaire. Surtout, on vous encourage à aller faire un tour sur notre blog. Donc si vous voulez des inspirations, allez faire un tour sur notre blog. Voilà, il y a pas mal de choses à voir. On se dit à une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao.